Hey, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis sur du Call of, donc parce que j'ai encore d'autres trucs à vous parler, j'avais oublié l'autre fois. Et là je suis en train de chercher ça, volume du jeu. Oh putain, j'avais jamais vu ça. Oh putain, je vais enfin pouvoir fermer sa gueule dans la musique. Bruit de coup, discussion, combat. Oh putain, je suis refait. J'ai mis quoi comme mode? Je voulais mettre du jeu d'armes, enfin, je sais pas un peu pour. Non, je voulais pas mettre du jeu d'armes, je voulais mettre du une balle pour changer. Mais y a pas, parce que je voulais refaire une petite game comme ça, comme l'autre fois pour parler. Mais le problème c'est que je peux pas, parce que y a une mise à jour de 15 piges à faire. J'ai la flemme de la faire tout simplement. Donc on va se prendre tout de suite une petite ASM1. Non, tiens rapide, on. Non, j'ai pas mes élites. Ça. Ça. Ça ou grosse. Oh, elle est grosse. Hop, ça. On s'en branle les atouts pour plus. Malaise, trop justesse. Chiant, même si c'est. Non, non, c'est des bottes, hein, on va pas se faire chier. Hop, hop. C'est où non. Brouillage, temps bonus, point bonus, vitesse, point. Non, bah c'est là, ok. Le Warburn. C'est où contrôle l'IA? Très bien. Bon, alors sans s'en branle, fallait que je mette pillard par contre. Hop, 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 voilà. Donc j'espère parce que, bah, que vous allez bien déjà, moi pour ma part ça va nickel. Que le son du micro il sera pas mal parce que laisse tomber. La dernière vidéo sur Call of, c'était la première fois que je faisais une vidéo avec mon nouveau casque et tout. Le son, au début on entendait trop fort, puis après on entendait strictement rien de ce que je disais. Donc je voulais vous parler de 2-3 trucs, puis en même temps on va faire une petite game. Je crois que j'ai mis la limite à 75, je suis pas sûr. Ouais, attends, moi je vais mettre sentinelle. Hop. Bon, alors déjà j'espère que vous m'entendez bien. Puis attendez, c'est où Attendez, ouais, je vais essayer de faire un dash parce que c'est surtout les dash qui faisaient le bordel en fait. Pour voir un peu comment que ça fait. Exo activé. Éliminer les ennemis. Ouais. On va baisser encore un peu, je pense. Hop. On va mettre là comme ça. Voilà. Donc je voulais vous parler tout d'abord de la chaîne, de ce qui va un peu se passer dessus. Je vais pouvoir revoir. Les bots, je les ai mis en commando. Là, c'est ma première game depuis 25 piles. Très bien. Parce qu'en ce moment, je joue qu'à Minecraft, je joue pas trop à Call of. Puis bah voilà quoi. L'activité de la chaîne, oui, parce qu'elle va pas être très active ces derniers temps, malheureusement, parce que. Je vais à l'école, comme tout le monde, quoi, d'entre vous. Et j'ai un stage de 3 semaines qui va se faire. De 3 semaines. Pendant les 3 semaines, vu que ma console, elle a un problème d'ailleurs. Genre, quand je joue à n'importe quel jeu ou quoi. Et bah en fait. Putain, le shoot que j'ai. Ça arrive, comme ça, hein, sans rien. Je sais pas pourquoi, ah, c'est un. Oh, c'est un. Je la rallume, ça me dit le système a mal été éteint, machin, pas de qui, pas total, blabla habituel quoi. Puis on doit faire la mise à jour, qu'est-ce qu'il fait là où lui? XMG en train de camper là-haut, on dirait les grands lignes. Et du coup, pendant les 3 semaines de stage, ça va être zéro vidéo. Donc ça va être la merde. Ou peut-être une vidéo. Je sais pas, hein. Parce que 3 semaines sans vidéo, honnêtement, je pense que ça fait quand même assez beaucoup. Surtout qu'en plus, j'ai mes horaires de stage, donc je fais 7h du mat, 13h, du lundi au vendredi, et le samedi, je fais 7h midi. Donc je pourrais rentrer chez moi que le dimanche, donc j'aurai juste un jour de repos pour 6 jours de taf. Donc ça va être. Si je fais une vidéo, j'ai intérêt de me manier. Donc je pense la première semaine, au moins une semaine sans vidéo, ou à moins que. De toute façon, le week-end qui arrive là, parce que je pense que je vais oublier pas d'avoir le week-end, là il faut que je prépare un maximum de vidéos. Donc je sais pas quoi faire. Je crois que je vais essayer de voir pour faire une
la nouvelle série avec Fox, comme ça on tournera 2-3 épisodes dessus. On essaiera de tourner 2-3 épisodes. J'essaierai de tenir avec ça, je sais pas, j'essaierai de répartir les épisodes genre sur un épisode tous les 3 ou 4 jours, je sais pas, parce qu'il faut vraiment que j'essaie de gagner un maximum de temps. Et vu que ma console elle sera pas chez moi, je vais l'envoyer à la société, ben, c'est UPS qui vient la chercher chez moi. Parce que j'ai appelé Sony et tout, ils m'ont donné un numéro de dossier, je sais pas quoi, et ils ont pris mon adresse. Et du coup c'est leur partenaire, parce qu'ils sont partenaires avec UPS, et quand les PlayStation des particuliers ils ont un problème, c'est eux qui viennent les chercher à ton domicile et qui les renvoient directement à PlayStation France. Et moi il m'a dit soit on va essayer d'identifier le problème et de le réparer, ou soit on en renvoie une neuve quoi, c'est comme ça, hein. De toute façon chez PlayStation France c'est comme ça, si votre console elle est garantie officiellement un an, hein. Officiellement je vous parle pas de la garantie du magasin ou quoi, par Sony. Donc si vous voulez la exemple, ça fait moins d'un an que vous l'avez, même si elle a rien ou quoi, je sais pas, hein, vous appelez Sony, vous allez sur le site, aide et support machin, ça va vous poser plein de questions, qu'est-ce qu'elle a votre console, machin. Et ensuite ça va vous donner un numéro de téléphone, ça va vous mettre en relation avec un gars et tout. Et là à ce moment-là, vous inventez même une connerie, hein. Pour ma part, moi c'est pas une connerie, moi c'est vraiment vrai. Mais vous pouvez inventer une connerie et eux ils vous en renvoient directement une neuf, hein. Je rigole pas, c'est sérieux. Moi c'était le cas de. Où c'est que j'avais acheté ma Play, il m'avait dit ça parce qu'il travaillait chez Sony avant. Et il avait dit que ça leur coûte plus cher de faire venir un spécialiste que de renvoyer une PlayStation 9, parce que pour eux, enfin nous on en paye 400€ notre Play, mais au coût de la fabrication c'est rien, hein. ça coûte rien une Play, hein. C'est comme un jeu, Call of Duty Advanced Warfare, ils vont vous faire payer 80€ à la sortie. Enfin après 80€ vous faites quand même bien enculer, clairement. Et ça leur coûte au coût de fabrication, ouais, ils prennent un CD vierge, une boîte en plastique qui coûte rien, ça coûte 80 centimes un DVD à faire, donc à mon avis un jeu de console c'est pareil. Très bien. Et pour les iPhones, les consoles, n'importe quel truc, un téléphone, regardez, c'est qu'une coque en plastique au-dessus, puis à l'intérieur, c'est que c'est des éléments de plastique, des bouts de métal, ça coûte rien. Après ils s'en foutent, ils ont créé un programme et puis ils le mettent directement dedans. Du coup, pour eux, c'est hier, c'est pas, ça coûte quoi ça, je pense que ça doit coûter 40€ une Play, c'est tout. Au coût de fabrication, peut-être même moins, je pense. Et du coup, bref. Sinon, je voulais vous dire, pendant les 3 semaines de stage, donc je vais essayer de répartir des vidéos, donc je vais essayer d'en tourner un max ce week-end, enfin moi, un max, je quand même, parce que moi, vidéo, j'aime bien en tourner, mais je vais tourner ce que je peux, honnêtement, hein. Je vais pas vous inventer des trucs. Donc si je peux en tourner allez, au moins 5, ce sera pas mal, j'essaierai de les répartir sur le temps que ma player revient. Enfin, je sais pas quand est-ce qu'elle reviendra, mais c'est marqué entre 15 jours. Hein. Ensuite, je rentre de stage, donc j'ai terminé les cours, mon stage il commence lundi 8 juin, je termine le 26, je sais pas, le 20... je termine avant la dernière semaine de juin, quoi. Bon, je sais plus, moi je m'en fous. Et ensuite, j'ai 2 semaines, donc 2 semaines que je rentre chez moi, c'est les grandes vacances, tout ça, pépère. Et ensuite, 2 semaines après, je pars 3 semaines en vacances, encore une fois de plus. Donc, encore pas de vidéo. Par contre, là je pourrais aller vraiment. Là, ce sera 3 semaines, rien, hein, je pourrais rien faire. Parce que là, je vais rentrer chez moi le dimanche, j'ai le temps d'upload une vidéo, de prendre mon PC, de l'ouvrir et d'upload une vidéo. Ça, c'est faisable. Mais par contre, pendant les vacances, je suis pas chez moi, là c'est impossible. Pendant 3 semaines, il va y avoir aucune inactivité. Donc, vu que ce sera 2 semaines. Ce sera les vacances. Pendant que c'est les vacances, je fais des nuits blanches tous les jours. Donc je dors jamais. Donc je vais essayer de vous sortir un max de vidéos. Peut-être même 2 par jour si j'ai des nouveaux jeux à se faire. Normalement, je pense avoir un nouveau jeu. On verra bien. On verra bien normalement. Si mon pote est d'accord, on me le prêtera. Je le demanderai à un pote à moi. Donc après, s'il est d'accord, il n'y a pas de problème. Hein. Tout ça, ce sera cool. Et puis je pense que je sais pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore. Il y avait Twister en face. Twister, c'était. Bon, non, je suis con, on n'est pas en ligne. Twister, parce que c'est un pote à moi qui s'appelle Twister là. Là en face, le premier deck qui va adverse, mais. C'est pas mon pote. Je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo là, les gars. Donc, on a fait une petite game, comme ça, sympa, on s'en fout, ça, c'était juste pour avoir du gameplay derrière. Donc, moi, je vais vous dire à la prochaine, les gars. J'espère que le son du micro, il a vraiment été bien, parce que cette fois-ci, franchement, ça me fait chier. Donc, moi, je vous dis à la prochaine, likez, commentez, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Allez, ciao.